Hey tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui sur Ghost Recon Breakpoint pour acheter l'objet le plus cher de la boutique et voir s'il a une quelconque incidence sur le gameplay ou sur notre personnage. Voilà, vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il s'agit non pas d'une arme, non pas d'un véhicule, ni une voiture, ni un hélicoptère ou quoi que ce soit, ni d'un accessoire d'arme. C'est tout simplement une paire de lunettes. Ouais les amis, la paire de lunettes. Et l'objet le plus cher du jeu. Plus cher qu'un véhicule blindé, plus cher qu'un hélicoptère avec des lance-roquettes, tout ça. Vous allez voir, la boutique est juste là. Et je pense que vous êtes tous demandé pourquoi. Pourquoi ces lunettes sont ultra chères. Et vous allez voir le prix. Hein. On parle de 100 000 Skull Crédit. Regardez, donc là, c'est la page principale. Vous voyez, hein, la meilleure arme actuellement proposée est à seulement 1400 crédits. Ensuite, si vous allez ici dans l'équipement, 1200 pour un gilet pare-balles. Bref, bon, je vais pas vous faire toute la boutique. Les plans d'armes, voilà, c'est 800. Voilà. Moi, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est les véhicules. Actuellement, le véhicule le plus cher, c'est celui-ci. C'est ce gros blindé, je crois. Il a 75 000. Je vais quand même vite fait descendre, voir s'il n'y a pas plus cher. Mais c'est déjà pas mal, 75 000. Là, on a des hélicoptères assez balèzes, 45 000, 50 000, 50 000 aussi. Bref, voilà, aucun véhicule n'excède les 75 000. Regardez-moi ce gros hélicoptère armé là. 55 000 seulement. Voilà. Et là, vous allez ensuite dans les éléments d'apparence, tout ce qui est skin, tout ce qui est cosmétique, et vous voyez des pauvres lunettes rondes toutes pétées à 100 000 Skull Crédit. Pourquoi ? Eh bien, on va voir dans un instant si ça fait quelque chose. Si en les mettant, ça change peut-être le HUD. Si peut-être il y a un filtre visuel qui va apparaître. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des pointeurs sur les ennemis, tel un cyborg ? Je ne sais pas, franchement. Pourquoi ces lunettes valent 100 000 Skull Crédit ? Est-ce que c'est Ubisoft qui s'est planté, qui a rajouté 1, voire 2 zéros ? Voire même 3, parce que moi je dirais 100 Skull Crédit, c'est déjà pas mal. C'est vraiment l'objet le plus cher, les amis. Je comprends pas pourquoi. Même un skin complet, un personnage complet, est à seulement 1000. Et vous l'avez vu juste avant, un putain d'hélicoptère surarmé et tout est à 75 000 seulement. Enfin, c'est pas un hélicoptère, c'était un blindé, un véhicule blindé. Bref, voilà, on va les acheter. Juste, je me suis un petit peu renseigné. Il semblerait que ces lunettes soient une référence au film de Luc Besson, Léon, sorti en 1994 avec Jean Reno. Les plus anciens savent de quoi je veux parler, hein, ils connaissent très bien ce film. C'est exactement les mêmes lunettes. Et il faut savoir que dans la bêta, ces lunettes s'appelaient lunettes Léon. Léon Sunglasses en anglais. Voilà. Mais dans la version finale, ils ont appelé ça lunettes rondes. Bon, ça, ils ont un petit peu cassé l'easter egg, j'ai envie de te dire. Donc on va les prendre, c'est parti, adieu. Eh, ça me fait mal au cœur hein, de perdre 100 000 juste pour ça. En plus, elles sont dégueulasses ces lunettes. Let's go. J'ai perdu 100 000 les gars. Bon, maintenant on va s'en équiper. Donc ça c'est mon personnage. Je me suis fait un petit touriste, hein. Vraiment il n'a rien à voir avec un mec de l'armée. Donc on va dans la customisation. Lunettes. Et elles sont ici. Donc, normalement, elles vont mettre un peu de temps à s'afficher. Voilà, ah, c'est exactement ça. C'est les lunettes de Léon. Je sais pas si on peut avoir un petit zoom dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, mais j'aimerais bien que tu les gardes, en fait. Voilà, les gars. Les lunettes de Léon. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donne en jeu. Est-ce qu'il y a un filtre rouge ? Pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment purement cosmétique. 100 000 juste pour des lunettes. Les lunettes de Jean Reno, quoi. Voilà, voilà. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, après, ça va, ça me fait un petit skill quand même. Hein. Je dis pas. Mais il doit y avoir un zéro en trop. Ubisoft, si vous passez dans le coin, enlevez un zéro ou expliquez-nous pourquoi. Parce qu'en plus, vous avez enlevé l'appellation, vous avez enlevé le nom des lunettes, quoi. Lunettes Léon. Au moins, on aurait compris la référence. Mais là, lunettes rondes. Oh, putain. Bref. Bah voilà, les amis, c'était tout. C'était pour voir si ça avait quelconque effet en jeu ou pas. Eh bien, on a notre réponse. Eh bien, il n'y en a pas.
Donc voilà, si n'économisez pas pour les prendre, à moins qu'elles vous plaisent. Mais il se passera rien de plus si vous les prenez, hein, je vous le dis. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Tchuss.